Coucou mon petit bébé d'amour, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va en blonde. Je vais pas arrêter de parler de ça. Moi je vous le dis, si vous voulez que j'arrête de parler de la couleur de mes cheveux, mais franchement je pourrais pas arrêter, donc arrêtez de me suivre. Bref, je me lève tranquillement, comme un dimanche. Bon, le dimanche, vous savez que j'aime rester à la maison. J'aime faire des soins. Donc c'est ce que je vais faire. Très beau aujourd'hui à Marseille. Et là, je vais me faire un café au lait. Bon, mes bébés, hier, je parle des cheveux. Hier, j'ai fait mes cheveux, mais j'ai pas fait le lisseur. En fait, comme je suis blonde, j'évite un maximum de faire le lisseur pour pas m'abîmer les cheveux. Pour tout vous dire, mes cheveux, ils sont pas abîmés, mes bébés. Mais comme je les ai décolorés, ils sont fragilisés. Maintenant, j'ai de la chance parce qu'ils n'étaient pas du tout abîmés. J'avais aucune fourche. Pour vous dire que quand j'étais brune, des fois, je faisais juste un shampoing. Je ne mettais même pas de soin ni de démêlant parce qu'ils n'étaient pas du tout abîmés. Abîmés parce qu'ils sont un petit peu fragilisés. Ils ont besoin d'être lissés. Hier, j'ai arrêté de me snapper assez tôt parce qu'en fait, il y a eu un problème vers là où j'habite. En fait, il n'y avait plus d'électricité. Donc, c'est pour ça que personne ne captait Internet. La télé, ça ne marchait pas. Moi, en grande parano, j'ai cru qu'on m'a mis un bouilleur ou qu'on avait coupé l'électricité de chez moi pour me voler. Parce que je vous explique, je suis une grande parano. Parce que je vis à Marseille. À Marseille, il se passe plein de trucs. Regardez, il y a quelques jours, Greg s'est fait braquer. Braquer avec un pistolet. Ils lui ont braqué sa montre. J'essaie d'ouvrir le lit. C'est dangereux. Moi, il m'est arrivé plein de trucs. Moi, on m'a braqué aussi chez moi. On a mis le feu chez moi. Donc je suis paranoïaque. En plus de ça, on a cambriolé chez ma tante quand j'ai dormi 2 jours chez elle. Ça veut dire moi, il se passait un truc. Je crois que c'est ma faute et je commence à me faire des films, mais de Hollywood. Je me disais ouais, ils vont débarquer chez moi et tout. Je suis en train de me faire des films. Des chaussettes, regardez. On partage. Là, ça marche pour le moment. Je suis vraiment accro à vous. Sinon, oh, ça glisse. Sinon, le soleil, ça m'a grave éclairci les cheveux. Des mèches froides. Brune, démaquillée. Tu me disais même le matin que j'étais trop belle et tout. Eh ben là, la dernière fois, j'ai dit ça. Mais là, le fait que tu es bronzée, ça passe très bien. Ah ouais? Heureusement pour toi, tu me dis qu'il y a du soleil. Alors moi, tu me connais, Maëva. Je suis tout sauf hypocrite. Même, je suis... Pour ma mère, elle me trouve belle. Moi, je trouve très belle. Ta couleur, j'adore. Hein. Je crois que je vais me la faire. Ah mais vache, Cayenne est trop forte. Les filles, regardez ce que j'ai reçu. Franchement, mes bébés, je suis trop contente. Vous avez vu, on me passe pour les nourrir, pour les rêver. Et mes bébés, ici, j'ai attrapé un bouton de fièvre. Alors moi, je n'attrape jamais sur les lèvres. Mais là, en fait, j'avais tout le temps des plaques de boutons, je comprenais pas. Et je montrais à ma mère, elle m'a dit que c'était un bouton de fièvre. Pas, non, de l'herpès. Elle m'a donné une crème. Mais regardez. Mes bébés, là, je reste enfermée. Parce qu'il fait trop chaud, en fait. J'ai trop chaud, je supporte pas la chaleur. Moi, à la clim, là, je vais aller faire ma chambre. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté la dernière fois chez Sephora. Alors, j'ai acheté ce fond de teint, c'est un Tarte. Je l'ai essayé qu'une seule fois. Un ton en dessous, et ça me... Ça, c'est une base. C'est un Charlotte Tilbury, les filles. Il est trop beau. Oxy Brown. Et franchement, j'ai testé ce blush. Parce que je l'ai vu sur les réseaux. Et j'avais trop envie d'un blush très rosé. Et franchement, il est trop beau. Attendez, je vous le montre. Il est vraiment trop.